Ah bah c'est chouette. Putain, en plein le jour des sous quoi. C'est vrai que c'est beau, mais ça fait chier quoi. Je suis obligé de bouger moi. J'ai plus de tabac, j'ai plus rien à bouffer. Plus rien à boire surtout. C'est vrai que c'est chouette. Moi ça a pas l'air trop épais. Joli réveil quoi. Naga, viens par là. Oh le bordel quoi, putain. C'est-à-dire qu'il y a deux jours il faisait 15 degrés. S'il n'y a pas le projet Arp là-dessous. Ah c'est chouette. C'est chouette mais ça me casse un peu les couilles aujourd'hui quoi. Ça tombe pas au bon moment quoi. Ah ouais, j'avais vu une vidéo style Free Panther où il parlait du système D. Bon, en vrai, moi j'en ai pas mal, mais c'était un peu dur de les exprimer en commentaire. Alors, il y a quelques petites techniques. Par exemple, pour conserver de la salade, faut mettre un oignon pelé dedans. Et la salade s'oxyde pas. Après, il y a la technique pour des pommes de terre déjà épluchées, faut les tremper dans l'eau, puis s'oxyde pas. J'ai plein de systèmes D comme ça, mais il faudrait que je fasse une vidéo spéciale. Ah, c'est vrai que c'est chouette. Hein. C'est beau, c'est beau. Ah toutoute, ah la toutoute, ah la neige, ah c'est la neige. Ah t'es contente toi, hein, avec tes cendres Terre-Neuve. Ah t'es contente toi. Après il y a plusieurs systèmes D quoi. T'as le système D pour la bouffe, pour la médication, pour des techniques mécaniques. Il y a les systèmes D de récupération au marché, comme j'ai stipulé sous la vidéo Free Panther. Ça je le fais depuis souvent. Reste par là, Naga. Bon, à vrai dire, putain, ça me casse un peu les couilles qu'il neige, mais ça a l'air de se calmer là, depuis tout à l'heure. Puis surtout que chez nous, on n'a pas trop l'habitude d'avoir de la neige. Nous, c'est exceptionnel, hein, vers ici, la neige. Hein. Ça caille, ça caille. En plus j'ai pas les bonnes chaussures là. Ah tu toute, ah la toute. Ah est contente. Ah t'es contente. Ah la neige. Ah la neige. Ah la neige. Ah la toute. Ah c'est copine. Oh c'est copine. On va faire un bonhomme. Non j'ai trop de trucs à faire aujourd'hui. Il faut que je prenne les gros axes quoi. Ils seront salés je pense. Ah ouais je peux pas prendre les petites routes là. Sinon je vais me planter, surtout que j'ai pas d'assurance, j'ai plus d'assurance, donc si je crache ma voiture, je serai dans la merde. Ratatouille. C'est bon la neige. Eh vous en pas trop Naga, tu vas avoir la chiasse. Ah c'est cool la neige. Ah oui, c'est quoi ça? Bah alors, on est contente. Ah bah oui. Ratatouille. Oh t'es copine. Tu laisses tes marques. C'est vrai que c'est chouette. Hein. Les tours enneigés, c'est beau. Mais quand j'étais petit, on va dire, c'était tous les ans comme ça, quoi. Dans les années fin 80, début 90. Et puis bon, bah après, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de neige, quoi. C'est vraiment occasionnel, quoi. Mais là, ça tombe bien aujourd'hui, hein. Putain. Ah puis chez nous quand il y a de la neige, tout le monde est paniqué vu que c'est que de la petite route, je te le dis, hein, ça panique. Les gros axes sont salés, mais alors après les gens, vu que la plupart ils habitent en plein milieu de la pampa, pour se rendre au boulot, ils l'ont dans le cul. Donc c'est vrai que l'idée de Russe de pas aller au boulot, ça serait pas mal avec de la neige quoi. Les gens ici seraient paumés. Hein. S'il y avait de la neige pendant une semaine, je me rappelle une époque, là, il y en avait eu pendant une bonne semaine, et donc les gros axes étaient salés. Mais sur les petits axes, c'était pas salé, donc les gens ils pouvaient pas bouger de chez eux. T'avais combien de bagnoles dans les fossés donc... Enfin voilà quoi. Ah bah petite vidéo matinale quoi pour montrer le décor. Bon allez, ciao, bis.